Ah, ben, asseyez-vous, c'est pas un mariage, là. Non, merci beaucoup. Et ça, ça me rappelle l'ambiance de mon premier spectacle. Mon premier spectacle, vous l'avez pas vu, j'avais choisi comme thème la société de beaux gosses dans laquelle on vit. Parce qu'on vit dans une société, si t'es pas beau, c'est chaud. Hein, tu me comprends, toi? Ah ben courage, t'as une sale gueule, c'est la vie, mon frère. Mais ouais, mais faut s'accepter comme on est. Non, en plus, bon, là, on rigole, mais il y a certaines personnes qui s'acceptent pas. Ils sont obligés de faire de la chirurgie esthétique. En plus, ça coûte cher, la chirurgie esthétique. Moi, j'ai une cousine à moi, Malika, elle aimerait bien se faire gonfler les lèvres. Bon, comme elle a pas d'argent, une fois par semaine, je mets une patate, tu vois. Mais c'est pour l'aider, c'est pour l'aider. Non, mais on vit dans un monde où on te juge par rapport à ton physique. Même mon iPhone 10, quand je fais une reconnaissance faciale, il bug, ce bâtard, là. Et moi, il y a deux types de personnes, quand je les croise, il se passe un truc. C'est les mecs bourrés et les enfants. À chaque fois que je croise un mec bourré, il croit qu'il est dans le dos, là. C'est toujours la même chose. Oh, un pélican. Et les enfants, ils jouent avec mon visage, ils croient que je suis en pâte à modeler, moi. L'autre jour, je tenais un bébé, il m'a sucé le nez pendant 20 minutes. Hein. Et moi, ça m'arrive souvent, tu sais, dans la rue, je croise des gens, on me demande des photos, ça me fait plaisir. En plus, une fois, la dernière fois, une fille super jolie, elle vient me voir, elle me dit « Boudère, on peut prendre une photo ?» Je dis « Oh, y a pas de problème. » Elle me dit « Oh là là, t'es gentil. En plus, t'es le portrait craché de ma sœur. » J'ai dit « Putain, la pauvre. » Après, elle montre une photo, il manquait un œil, des chicots, je dis « Faut pas abuser quand même, oh. » Et même sur la photo, elle pue de la gueule, oh. Tiens, vendredi dernier, je vais à la mosquée, je croise un mec, il me dit « Boudère, tu vas prier là ?» Je dis « Ouais, il me dit « Franchement, avec ta gueule, t'es pas rancunier, hein. » Et je savais pas qu'en choisissant ce thème, tu sais, de la bogosité, je savais pas que j'allais devenir le représentant des moches de France. Je te jure, des moches, ils en venaient d'écart entier pour venir voir mon spectacle. Je crois qu'ils venaient directement de Mochi, un pays où il y a que des têtes de fous. Mais tu sais que ça fait peur quand le rideau s'ouvre, 800 personnes. Boudère, Boudère. Une fois, il y en a essayé, il a dit Boudère, tu nous représentes. J'ai dit non. Et après, venez me voir dans la loge, Boudère. Je peux avoir un autographe. Je lui ai dit, il faut une ordonnance, hein, toi, ouais. Mais c'est vrai. Bon, ce premier spectacle, comme je débutais dans le métier, tu sais, je connaissais pas les gens, tu vois. J'avais pris un mec pour gérer ma carrière. J'avais pris Abdelkrim, un mec qui a grandi chez moi, tu vois. Mais pour vous expliquer Abdelkrim, il faut que je vous explique l'état d'esprit d'Abdel. Abdel, c'est un mec qui fume beaucoup de... C'est même plus, il en fume du shit, il en mange tellement, il est toujours défoncé. Je te jure, un jour, il est rentré chez lui, il a regardé son père pendant une heure comme ça. Son père lui dit, pourquoi tu me regardes comme ça? Il lui dit, je sais pas où je t'ai vu, toi. C'est son père. C'est complètement ça. Et c'est lui qui a géré ma carrière. Je te jure, hein. Elle m'a fait une petite tournée et tout. La première date que j'ai jouée, c'était à Roubaix dans le Nord. Mortel Roubaix. Ouais, c'est un public extraordinaire. Mais ils ont des têtes à Roubaix, mon frère. Je sais pas s'ils testent des médicaments. Comment je me sentais beau gosse, moi, à Roubaix? Je marchais dans les rues, j'étais Georges Clooney. Les filles, comme vous voyez, elles se décomposaient. Bon, elles étaient pas très composées à la base, tu vois. Après Roubaix, on a été jouer dans le Maghreb. J'ai commencé par la Tunisie. Oh, ouais, franchement, la Tunisie, mortelle. Alors, la Tunisie, pour ceux qui connaissent pas, c'est par étapes. T'as la première étape, ils t'accueillent avec cet accent un peu chantant. Tu vois, ça va, Boudère, bienvenue, je tourne, je rêve. La deuxième étape, ils t'emmènent manger, c'est très bon, mais c'est très épicé. La troisième étape, c'est la chiasse. Et pendant 15 jours, j'avais la diarrhée, même mon corps, il m'a dit arrête de chier, là. Après la Tunisie, j'ai joué ici au Maroc, dans mon pays d'origine. Ça, enfin, c'était super. Franchement, c'était super, voilà. Bon, en plein spectacle, pendant une demi-heure, ça se passe super bien. Et en plein spectacle, il y a un chat qui est rentré sur scène. Il avait même pas payé sa place, petit bâtard, là. Chat du Maroc, là. Je te jure, le chat, je lui fais qu'il m'a dit arrête, Boudère, déjà, c'est la misère, ici, arrête. Après, il a joué en Algérie. Ah, j'ai kiffé. Franchement, l'Algérie, c'est l'un des plus beaux pays du monde, vraiment. En plus, avant d'y aller, moi, je connaissais pas l'Algérie. Enfin, que dans Envoyé spécial, tu vois. Et le mec qui a acheté mon spectacle, il m'a dit, t'inquiète pas, Boudère, le peuple algérien, ils sont très gentils, très accueillants et chaleureux. Et c'est vrai, ils sont gentils, accueillants, chaleureux. Bon, ils sont accueillants partout, sauf dans les cafés et les restaurants. Non, non, il m'a dit, Boudère, fais attention, les serveurs, c'est des mecs hyper vénères. Ils travaillent 30 heures par jour. C'est possible en Algérie, je cherche pas à calculer. Il m'a dit donc, quand tu parles à un serveur, faut lui parler gentiment, sinon ça peut dégénérer. Et un matin, j'étais prendre un petit déjeuner, et c'était à mon tour d'appeler le serveur, tu vois. J'étais là. Votre Altesse. Oui, je pourrais avoir un café et un croissant, s'il vous plaît? Le mec, il me ramène café et croissant, vraiment cool. Bon, je goûte le croissant, il était un peu bizarre, tu vois. Je dis, excusez-moi, votre croissant, il est un peu bizarre. On dirait même un croissant d'hier. Il m'a dit, alors? Je dis, alors, je veux un croissant d'aujourd'hui. Il m'a dit, viens demain.
Le croissant d'aujourd'hui, je viens demain. Allez, on va l'attendre, hein. Non, mais elle n'a pas compris, il faut comprendre chez les vannes. Eh, grâce à ce premier spectacle, je te jure que je suis rentré dans le monde de l'artistique, tu vois. Je suis devenu pote avec Jamel Debbouze, Ramzy, Eric, Kev Adams. Et t'as vu, quand tu rencontres tous ces gens connus, tu vois, faut garder les pieds sur terre, tu vois. Et aujourd'hui, moi, il y a une personne qui me permet de garder les pieds sur terre, c'est mon fils, parce que depuis 7 ans, je suis papa. Merci. En plus, mon fils est très beau. Eh, j'aime pas ce rire-là, hein. Non, mais vous avez fait la même réaction que la sage-femme quand je suis venu chercher le petit. Hein. Je suis venu, c'était la sage-femme qui tenait mon fils. Bonjour, monsieur. Alors, le papa n'a pas pu venir? J'ai dit, madame, c'est moi le père. Hein. Bon, on va faire une recherche ADN quand même. Hein. En plus, moi, j'étais là à la naissance. C'est moi, je lui ai coupé le kit main libre, là. Et moi, mon fils, quand il est né, il n'a pas pleuré. Parce que dans la famille, on est des bonhommes, tu vois. Non, il a pleuré que quand j'ai pris dans mes bras, je dis, regarde, c'est papa. Mais t'es pas d'accord, ce bâtard, là? Tu sais, je voyais dans ses yeux, je disais, mais putain, c'est pas possible. Sur 1000 mecs connus, je tombe sur Shrek, là. Et en plus, moi, on m'avait pas dit qu'avant d'avoir un enfant, faut d'abord prendre un crédit à la banque. Parce que ça coûte cher, les enfants. Les couches, par exemple. Moi, je pensais que c'était une couche jusqu'à l'âge de 10 ans. Mais je savais pas qu'il chiait dessus toutes les 5 minutes, moi. En plus, des gros caca de bonhomme, moi, pendant 2 mois, je croyais que c'était mon oncle qui chiait dans la couche, là. Et c'est tellement cher, les couches, ça m'a traversé l'esprit d'envoler les couches. Un matin, je suis arrivé devant un supermarché, j'ai dit, je vais faire un carnage aujourd'hui. Rien à foutre. Après, je me suis dit, Boudère, t'imagines, tu te fais attraper en train de voler des couches, la honte. Tu sais, tu vas en prison pour vol de couches. Eh, t'imagines, dans la cour de promenade, là, il y a tous les prisonniers, là. Eh, t'es là pour quoi, toi? Moi? Grosse équipe, grosse équipe. Le gang des Pampers, ouais, c'est nous. Cher, les enfants. Et aujourd'hui, mon fils, il a 7 ans, et je te jure, je sais pas comment l'éduquer. Je sais pas est-ce que je dois l'éduquer comme mon père m'a éduqué. Alors attention, moi je suis pas dans le cliché du père arabe qui tape ses enfants. Mon père ne m'a jamais tapé. Nous, c'était comme la petite maison d'après Riz, pareil. Quand j'avais rien à manger, jouer du violon, tout, pareil. Non, mon père, il m'a jamais... Non, une fois, j'ai fait une grosse bêtise, il a voulu me taper, il m'a dit, où tu veux que je te tape? T'es déjà cabossé, où? Non mais aujourd'hui mon fils il a 7 ans et je vous jure que j'ai peur pour lui parce qu'on vit dans un monde très violent. Je me dis mais comment je vais faire moi le jour où mon fils il aura sa première embrouille au collège. Tu sais quand il dira au mec, ouais tu vas voir, je vais te ramener mon père, tu vas voir. Il me ramène ta mère, pourquoi tu me ramènes moi? Mais non mais parce qu'il va falloir que j'aille à la sortie de l'école pour voir qui c'est qui a embrouillé mon fils. Mais t'imagines un petit peu la scène à 17h à la sortie de l'école. Bon, avec qui tu t'es embrouillé déjà? Abdoulaye? Oh là là. Je t'ai déjà dit qu'ils sont balèzes, ces mecs-là. Bon, c'est lequel, Abdoulaye? Quoi, c'est lui? Mais qu'est-ce qu'il fout en cinquième, celui-là, là? Non, mais c'est le prof, lui, non? Non, mais vas-y, prends une pierre et reste derrière, on sait jamais, ça part. Abdoulaye, ouais, traverse, c'est moi le père du petit, traverse, traverse. Inch'Allah, tu te fais renverser, traverse! Après, faudra que je me batte avec Abdoulaye parce que, aux yeux de mon fils, je suis l'homme le plus fort de la planète. Mais t'imagines, je perds la bagarre. Tu sais, je serais plus crédible quand je dirais à mon fils, hé, il est 22h, va te coucher. Je vais appeler Abdoulaye, on va voir qui va dormir le premier, ouais. Merci, c'était Boudère, merci Marrakech.